Yo tout le monde, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, les amis, on se retrouve pour le mode univers, l'épisode 50. 50. 50. Donc ça c'est le 5, ça c'est le 0. Comme ça c'est mieux. 50. Très content de vous retrouver les amis pour cet épisode. Donc, on s'était arrêté après le match où j'ai totalement foiré le tag team. D'ailleurs, il y a des gens, enfin il y a une personne qui a dit Oxor, c'est chiant, t'arrêtes pas de mettre des coups de chaise. En même temps, mode carrière serait mieux construit. On mettrait pas de coups de chaise. Il y aurait des histoires à tir larigot. On mettrait pas de coups de chaise. Mais le problème, c'est que si on veut avancer, il faut mettre des coups de chaise pour supprimer les matchs. Enfin bref, on va avancer. Il y a Dean Ambrose. Il y a Dean Ambrose qui va se battre. On est en rivalité contre lui. Donc on m'a dit, Oxor, fallait pas te mettre en rivalité contre Dean Ambrose. Ça va te bloquer avec la mallette. Merde, j'ai envie de dire. Merde. Merde. Comme diraient les Belges, merde. Bref, en fait, ce qui est con avec ce jeu, je vous l'explique. C'est qu'en fait, on est obligé de se focaliser sur un seul objectif. Ça qui est dommage. La créativité est bridée à 100%. Parce que vous pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez finalement. C'est un peu l'ordinateur qui décide, tiens, tu vas être en rivalité avec lui. Tiens, on va te mettre une cinématique là, etc., etc. En fait, on est totalement bridé. Et ça m'embête vraiment. Ça me fait vraiment chier. Désolé de parler comme ça, mais c'est le cas. Donc, Dean Ambrose, Neville, est-ce qu'on va encore venir au bord du ring, le regarder, tel un coyote? Possible. Allez, voilà. On va arriver, comme d'habitude, la même cinématique. On va s'asseoir, voilà. On va quitter le match. Il y aura une cinématique. On va sûrement distraire Dean Ambrose à 99%. Voilà, on le distrait, on l'appelle. Hey, Dean, viens voir. Je vais te montrer un truc, viens voir. Et t'as vu, regarde, regarde ma main. En fait, il n'y a rien. Ce jeu, c'est ça. J'espère que 2K17 sera mieux. D'ailleurs, sur la jaquette de 2K17, a priori, ça sera Goldberg. Parce que ça sera le catcheur qui va être mis en avant, a priori. Il y a un DLC sur lui. Donc, il y a de grandes chances que ce soit Goldberg qui soit sur la jaquette. Après, ça peut encore changer. Hein. Il me semble que c'est en 2015. C'était John Cena. Alors que c'était Sting qui était en mode retour. Hein, voilà, qui était en DLC. Donc, ça veut rien dire. Une fois de plus. Mais l'an dernier, cette année, avec cet homme... Stone Cold Steve Austin. Eh bien, on l'a eu sur la jaquette. On peut avoir Goldberg sur la jaquette dans le prochain. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer du côté de SmackDown? SmackDown. Alors, quatrième semaine. Ah, SmackDown, il y a Battleground. Sting! Ah, enfin un match intéressant. Tiens donc. Le Stinger, ensuite le pay-per-view. Battleground. Ça que c'est bon. Sting contre Monsieur Oxor AG, c'est tout de suite. C'est maintenant sur votre petite antenne, les amis. Ah là 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 là. Donc. Également, sachez que désormais, il y aura des catch news sur ma chaîne. Catch news, donc, ça va être les news sur 2 semaines à chaque fois. Et je me tâte à vous les commenter sur un gameplay de mode carrière. Le problème, c'est que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, dans le sens où ça ne va pas s'appeler mode carrière. Ça va s'appeler catch news. Donc, je ne sais pas. Alors, t'es bien pour avancer. Mais je pense que notre carrière, on va le continuer en live. Il y a de grandes chances. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quand c'est que je vais retourner faire mes lives. C'est vrai que vous êtes très nombreux à me le demander. Mais malheureusement, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Désolé. Et je me fais agresser par Dean Ambrose. Non, mais c'est pas sérieux. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez-le. Arrêtez Dean Ambrose. Mettez-le en prison. Il m'a agressé combien de fois? Il m'a mis quoi, une pipe dans la gueule là? Mais je vais mourir là. Qu'on l'arrête, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez-le. Mettez-le en prison.
Oh là, je suis complètement occupé, le Sting, il va me... Il va m'achever, le Sting. Oh, brah! Le surpassement. Le fucking surpassement. On va blesser Sting. On va blesser Sting, je pense. On est obligé de blesser Sting. C'était un retraité, maintenant. C'était un Hall of Famer. Terminé, Sting. Fini, on veut plus de toi sur le ring. Dégage. Non, je rigole. Franchement, c'est un gros fake, hein, ce que je dis. J'adore Sting. Beaucoup de respect, ce catcheur. Blessé, hein, après une chute de malencontreuse sur une table de Seth Rollins, hein, qui l'a blessé. Ça l'a beaucoup impacté, Rollins, hein, dans sa vie privée. Hein. Qu'il est blessé, qu'il ait mis fin à la carrière de Stinger, quoi, finalement. C'est vrai que c'est quand même grave, quoi. Alors, propulse au sol, voilà. On l'étrangle au passage. Toujours étrangler son adversaire. L'étranglement, c'est la base. C'est la base de la vie. Sans étranglement, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas d'étranglement. Ok, il m'a contré avec une patate. Je suis un peu orange partout. Hein. Pas très grave. Je suis un peu orange, vous savez, orange, la pub, enfin, orange, le FAI, dont je ne fais plus partie. Je suis plus chez Orange, je suis chez Bouygues. Et honnêtement, de vous à moi, je vous déconseille Bouygues. Hein. Je vais vite retourner chez Orange. Dès que j'ai fini mes 12 mois chez Bouygues, je retourne chez Orange. En fait, grâce à Bouygues, j'ai économisé 6 euros par mois. C'est pas mal. Si vous ramenez ça sur 12 mois, c'est sympa. C'est vrai, c'est sympa. Sur 12 mois, ça peut valoir le coup. Mais le problème, c'est que pendant un mois, j'ai eu que des soucis. Et j'ai l'impression que j'ai encore un petit peu de déconnexion par moment. Beaucoup moins qu'avant, certes. Mais franchement, j'ai galéré avec Bouygues. Hein. Espérons que ça aille mieux. Espérons-le. Par contre, si Orange il me propose une meilleure offre d'ici peu, après les 12 mois, je retournerai chez Orange. Hein, parce que Orange, payer 6 euros plus cher et avoir de la qualité, d'ailleurs, pourquoi pas. Hein. Après, c'est un tout. On veut toujours faire des économies, mais parfois, on fait des économies à tort. Dans le sens où, je me suis fait griller un mois presque d'internet, hein, faut le dire. Heureusement que j'avais des vidéos d'avance, heureusement que j'ai pu mettre des vidéos grâce à la 4G que j'ai sur le téléphone de ma femme et mon téléphone. Heureusement, sinon, pendant un mois, il n'y aurait quasiment pas eu de vidéo. Hein. Mais bon, voilà, j'étais vraiment déçu de Bouygues. Après, ils ont été assez réactifs finalement. Ils ont été assez réactifs pour me réparer ma ligne, etc. Pour faire intervenir un technicien sur le truc, sur la centrale à l'extérieur de chez moi. Donc, de ce côté-là, je peux pas leur reprocher leur inefficacité. Mais bon, quand on achète un truc, quand on souscrit quelque chose, on aime que ça fonctionne tout de suite. Ah, je vais devoir recharger la batterie de la manette. Sinon, ça va se couper d'ici peu, hein. Ça tient pas très longtemps généralement. Allez, reviens par là. Laisse pas tranquille. Brah, le neck breaker. Allez, le coup spécial. Boum, le senton. Un petit peu fatigué. Tiens donc. Oh, il a un mode revanche. Et on connaît la revanche de Sting. Hein. Le Stinger Splash. Boum. J'adore l'écraser comme ça. Là. Allez, reste au sol. C'est l'ours. Ça sert à rien de faire l'ours. Oh, il est leste, hein. Très leste, hein, pour un géant. V6 au somme, le mec avec sa pancarte derrière. Je crois qu'il a pas trop compris. C'était pas un match au somme. Comme dirait l'autre. On connaît mieux comme match, hein, pour l'instant. C'est vrai que c'est pas non plus the match of the year. Mais bon. Espérons que Dean Ambrose ne revienne pas, hein, d'ailleurs. Non, on n'a pas besoin de voir. Pas besoin de voir Dean Ambrose. Reste où t'es. J'espère qu'ils l'ont mis dehors. Ça serait mieux pour tout le monde. Voilà, le Sting commence un petit peu à subir.
On essaie de lui briser les trapèzes. Je cherchais le nom du muscle. Trapèze que je n'ai plus. Oh, j'avais des trapèzes. Putain, moi j'avais des putains de trapèzes. Quand j'avais de la, un petit peu de muscu, etc. Enfin, beaucoup, j'avais pas mal de muscu. Hein. Vu que j'ai arrêté la muscu, j'ai perdu 8 kilos. Hein, je vous le dis sincèrement. Mais c'est un truc de dingue, la muscu. J'avais de ces putains de trapèzes. J'adorais travailler les trapèzes. Mais pas que, hein. Je travaillais également les jambes. Très important, les jambes. Beaucoup de gens, quand ils vont à la salle, ils oublient. Ils oublient, enfin, c'est même pas un oubli. Ils ne travaillent pas le bas du corps. Ils travaillent beaucoup le haut du corps. C'est très important de travailler le bas également. J'en ai connu des mecs, ils étaient dans le sang. Oh putain. Qu'est-ce qu'il me fait? Non. Tom. Carrément. Du coup, des mecs, ils avaient carrément le haut. Un truc de malade. Une chèque, ils ont pété un plomb, là. Ils m'ont fait flipper. Le haut du corps malade. Un truc de fou. Et les jambes. Jambes de coq, quoi. Parce qu'il ne travaille pas. Encore, il y en a qui travaillent les jambes, mais on peut travailler le bas du corps et ça ne se développe pas. C'est très dur à développer le bas du corps. Boum! Voilà, allez. Sting. C'est fini, Sting. S'il te plaît. 2 et 3. Voilà. Ah là là, sacré Sting. Dommage. Regardez. Je suis juste là. Vous inquiétez pas. Voilà, le petit câble pour recharger la manette, très important, sinon on allait avoir une petite coupure. Donc j'ai un chat qui est monté là-haut, regardez, là, il est monté à l'instant, elle est montée, c'est la femelle, en plus elle se lèche, super. C'est censé être interdit ça pour les enfants. Hop. Alors, je me décale un petit peu parce que j'ai le micro un petit peu trop près de mon visage. Ça me dérange. Tout à fait. Bref. Non, mais c'est bien. Je suis bien content. On a un bon match. On a une belle rencontre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même si c'était pas le match de l'année, certes. Mais bon. On peut pas toujours avoir les matchs de l'année. Sinon, qu'est-ce qu'on donnerait à la fin de l'année au Slammy Award? Si on a que des matchs de l'année. Faut des matchs moins bien parfois. Enfin, y a un mec qui a jamais fait de match pas terrible, je crois que c'est Shane McMahon. Hein. Tous ses matchs étaient bons. Et c'est Rollins aussi. Le troll, tu sais. Je suis un putain de troll. Alors on se dirige du côté de Battleground. Le champ de bataille. Carlis. Contre Dean Ambrose, man. C'était pas beau, ça. C'était pas beau, man, ça. C'est magnifique, man. On peut pas. C'est triste. Alors, on termine cette réalité. Donc, il y a quand même des bons matchs, peut-être, hein. Ouais. Orton Rollins, hein, pour le titre. Hein. Pour le titre. Bon, allez, c'est parti. Battleground, les amis. On n'est pas là pour niaiser, comme disent nos cousins québécois, man. Allez, c'est parti. La rivalité, là, on sait, là. Comment ça, il y a même Sting. Ah, c'est ça qu'il allait affronter Sting, dit Ambrose. J'avais oublié, ça. J'avais oublié, ce match. Je crois que c'est dans l'épisode précédent, semble-t-il. Dean Ambrose versus Monsieur Oxor HD, Battleground, le champ de bataille. Ça va être bon. Cette réalité qui va se terminer ce soir, je l'espère. Nous l'espérons tous. Il y a quoi à l'oreille, Dean Ambrose? Il a un piercing ou quoi? J'ai jamais vu Dean Ambrose avec un piercing, mais on dirait qu'il a un piercing. Regardez vraiment. Mettez pause au pire. Il a un truc blanc là. C'est bizarre quand même. J'ai jamais fait gaffe. Franchement, ça me... pourtant j'ai joué quasiment presque 4-5 mois avec Dean Ambrose, j'avais fait attention. Oh, le coup de boule. Je lui montre c'est qui le patron tout de suite. Hein. Voilà, je lui dis, écoute-moi Dean. Écoute-moi mon petit. Regarde, ça se passe comme ça, la WWE. Voilà. Et ils veulent quoi? Remportez votre match avec votre jambe, avec votre santé de votre... je sais plus lire. Remportez votre match avec la santé de votre jambe dans le verre. Ok. Ok, en fait, faut pas que je me fasse blesser la jambe. Très bien.
Il me semble pas que Dean Ambrose ait des prises pour les jambes. Peut-être son spécial, et encore, je suis pas sûr. Oh, le splash! Plus de 150 kilos qui viennent de tomber, même plus, hein, je crois. Je crois qu'il est dans les 280 kilos, moi, mon catcher, je sais même plus. Ah, il a voulu faire un dropkick, je l'ai pris un coup d'arpin, je l'ai ramené au sol. On va essayer de le lever. Voilà, j'adore cette. Franchement, c'est une souplesse. C'est une T-bone, il me semble. Hein. Non, c'est pas tout à fait une T-bone souplex. Hein. Une T-bone souplex, c'est encore mieux. Mais j'adore les T-bone souplex et ce genre de souplex là. Franchement, j'adore. Avec les German souplex. C'est les classiques, mais c'est toujours aussi efficace. Je suis un géant, je suis là pour dominer de toute façon, je suis pas là pour me faire marcher dessus. Là. Donc, normal que je domine. Le Big Show, là, dans sa carrière, mis à part quand ils l'ont fait un petit peu de manière ridicule, comme souvent finalement, mais les géants, généralement, ont toujours dominé hein, dans les matchs. Hein. C'est pas non plus les mecs qui se faisaient marcher dessus. Hein. Sauf contre John Cena, etc. Quoi. C'est clair et net qu'il les dominait. Quoi. Allez hop, j'adore ça. J'adore cette prise. Je pourrais la faire tout le temps. Franchement, c'est pas une. Moi, c'est une prise que. Je pourrais la porter tout le temps. C'est une prise que j'aime bien. Celle-là aussi, j'aime bien. Voilà. C'est pas technique. Certes. Pourtant, j'aime le catch technique, hein, vous le savez. Hein. Je vous promets en parler. Mais pour un géant, c'est pas forcément utile d'avoir de la technicité, on est d'accord. Un géant, c'est pas censé être technique. Hein. C'est censé faire ça. Voilà. Et voilà. Hein. Un géant, c'est un peu bête. Hein. Un géant, ça a 4 coups. Hein. Pourtant, Reigns, c'est pas un géant. Je suis un putain de troll. Je suis désolé pour les fans de Reigns, c'est tellement facile. Je me tends des perches tout seul. C'est trop simple. J'adore Dean Ambrose pourtant. Mais là, je le démolis. Là, je lui laisse pas de chance, quoi. Je l'ai flingué dans le match est bientôt fini, quoi. Oh, mec. On est en rivalité. Mec, tu m'as attaqué contre Sting. Rappelle-toi. Tu m'as explosé la gueule. Putain. Réagis. Montre c'est qui le patron. C'est Dean Ambrose ou c'est pas Dean Ambrose le patron sur le ring. A priori, c'est pas Dean Ambrose. Hein. Sinon, c'est trompé de match, hein. Oh le coup de boule. Non mais là c'est la violence à l'état pur en fait. Là c'est un viol. Excuse-moi Dean Ambrose, hein, je voulais pas te violer comme ça mais. C'est délicat quoi. Je t'ai défleuré là. C'est un viol quoi. Mais... Si je gagne le match là, vous me direz quand même coup mamie. Hein. Vous regarderez quand même coup mamie, mais je crois pas qu'il m'a mis. Je crois qu'il m'a mis un coup, je crois. Je suis pas sûr. Hein. 1, 2. Et 3, non mais ceci était un viol. Nous venons d'assister à un viol. Ne composez pas le 17 hein, là, je crois que c'est le numéro de la police hein. Ne le composez pas s'il vous plaît. C'est un viol vidéoludique. Ça ne sert à rien de dénoncer cela à la police, aux gendarmes, à qui vous voulez. Mais là ce fut un viol. Voilà. Je veux pas dire I'm a polyman guys, I'm a violeur guys. Non, ça craint. C'est chaud quand même. Je suis désolé pour Dean Ambrose dans ce match-là, mais non. 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 On ne valide pas. Personne ne valide. Même Sting était plus fort. Je suis dépité. Match. Emballé, c'est pesé. Faites-moi ça emporter. Carrément. C'est le hashtag magique de la vidéo. D'ailleurs. Même si tu t'en souviens plus, tu repasses la vidéo, c'est pas grave, tu regardes. Je te dirai pas, moi je m'en souviens plus déjà. Le mec il sait plus ce qu'il dit au bout de 2 secondes. C'est la base. C'est la base. Non, c'est dommage. Dommage. Rivalité déjà terminée. Est-ce que Seth Rollins va conserver son titre? C'est vrai qu'on peut se poser cette question, on a le droit. On a le droit. Alors. Eh oui, Rollins conserve son titre, donc ça que c'est bon. Ça que c'est excellent. On n'est plus en rivalité. Donc ça c'est bien, on peut se concentrer maintenant sur le titre, les amis. Le titre de cet homme.
il y a du Brock Lesnar dans l'air, les amis. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. J'aime pas trop beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pas de réalité, je suis désolé, je suis pas... Je ne veux pas. Bref, on va se laisser ici, les amis. Le prochain pay-per-view, ça sera SummerSlam. Et j'espère que je serai champion d'ici là. Puisque je compte bien cash ma mallette. Dès que je rencontrerai Rollins, hein, il n'y a pas à chier de toute façon. Je vous fais plein de gros bisous. Portez bien. On se donne rendez-vous très vite. Ciao tout le monde!